Bonjour et bienvenue à notre nouveau texte de lecture compréhension. Lecture compréhension. Un voyage mémorable en famille. Un voyage mémorable en famille. Commençons par lire le texte. La famille décide de partir en voyage pour les vacances d'été. La famille décide de partir en voyage pour les vacances d'été. La famille décide de partir en voyage pour les vacances d'été. Elle visite de magnifiques endroits. Elle visite de magnifiques endroits. Elle visite de magnifiques endroits. Goûte à des saveurs exotique et vécu des aventures passionnantes. Goûte à des saveurs exotiques et vécu des aventures passionnantes. Goûte à des saveurs exotiques et vécu des aventures passionnantes. Elle visite de magnifiques endroits. Goûte à des saveurs exotiques et vécu des aventures passionnantes, des aventures passionnantes. Mais ce qui était encore plus précieux, mais ce qui était encore plus précieux, mais ce qui était encore plus précieux, c'était le temps passé ensemble, à rire, jouer et explorer. C'était le temps passé ensemble, à rire, jouer et explorer. C'était le temps passé ensemble, à rire, jouer et explorer. Mais ce qui était encore plus précieux, c'était le temps passé ensemble, à rire, jouer et explorer. Ce voyage crée des souvenirs inoubliables qui renforce les liens familiaux. Ce voyage crée des souvenirs inoubliables qui renforcent les liens familiaux. Ce voyage crée des souvenirs inoubliables qui renforcent les liens familiaux. Je relis le texte. La famille décide de partir en voyage pour les vacances d'été. Elle visite de magnifiques endroits, goûte à des saveurs exotiques et vécu des aventures passionnantes. Mais ce qui était encore plus précieux, c'était le temps passé ensemble, à rire, jouer et explorer. Ce voyage crée des souvenirs inoubliables qui renforcent les liens familiaux, qui renforcent les liens familiaux. Après avoir lu le texte, on va commencer ensemble la réponse aux 6 questions de compréhension. Les 6 questions de compréhension. Allons-y. Première question. Qui part en voyage? Qui part en voyage? Qui part en voyage? La réponse est: c'est la famille qui part en voyage. C'est la famille qui part en voyage. C'est la famille qui part en voyage. La phrase justificative du texte est: la famille décide de partir en voyage. La famille décide de partir en voyage. Ainsi, la réponse à la première question, qui part en voyage, est: c'est la famille qui part en voyage. C'est la famille qui part en voyage. C'est la famille qui part en voyage. Passons maintenant à la deuxième question. À quel moment de l'année ça s'est produit? À quel moment de l'année ça s'est produit? À quel moment de l'année ça s'est produit? La réponse est: ça s'est produit pendant les vacances d'été.
Ça s'est produit pendant les vacances d'été. Ça s'est produit pendant les vacances d'été. La phrase justificative du texte est « La famille décide de partir en voyage pour les vacances d'été. » Pour les vacances d'été, c'est-à-dire pendant les vacances d'été. Ainsi, la réponse à la deuxième question « À quel moment de l'année ça s'est produit ?» est « Ça s'est produit pendant les vacances d'été. » Ça s'est produit pendant les vacances d'été. Pendant les vacances d'été. Nous voilà arrivés à la troisième question. Comment étaient les aventures vécues? Comment étaient les aventures vécues? Comment étaient les aventures vécues? La réponse est « Les aventures vécues étaient passionnantes. » Les aventures vécues étaient passionnantes. Les aventures vécues étaient passionnantes. La phrase justificative du texte est « Vécu des aventures passionnantes. » Vécu des aventures passionnantes. Donc les aventures vécues étaient passionnantes, tout simplement. Alors, la réponse à la troisième question « Comment étaient les aventures vécues ?» est « Les aventures vécues étaient passionnantes. » Les aventures vécues étaient passionnantes. Les aventures vécues étaient passionnantes. On arrive maintenant à la quatrième question. Quel est le meilleur avantage de ce voyage? Quel est le meilleur avantage de ce voyage? Quel est le meilleur avantage de ce voyage? La réponse à cette question est « Le meilleur avantage de ce voyage est le temps passé ensemble. » Le meilleur avantage de ce voyage est le temps passé ensemble. Le meilleur avantage de ce voyage et le temps passé ensemble. La phrase justificative du texte est « Mais ce qui était encore plus précieux, c'était le temps passé ensemble. » Ce qui était encore plus précieux, c'était le temps passé ensemble. Le temps passé ensemble. Ainsi, la réponse à la quatrième question « Quel est le meilleur avantage de ce voyage ?» Et le meilleur avantage de ce voyage est le temps passé ensemble. Le temps passé ensemble. Le meilleur avantage de ce voyage est le temps passé ensemble. La cinquième question est comment était ce voyage? Comment était ce voyage? Comment était ce voyage? La réponse à cette question est ce voyage était mémorable. Ce voyage était mémorable, c'est-à-dire inoubliable. On va bien le mémoriser, on va plus l'oublier. Mémorable. La phrase justificative du texte est « Ce voyage crée des souvenirs inoubliables. » Ce voyage crée des souvenirs inoubliables. Inoubliable, c'est-à-dire on va avoir des souvenirs qu'on va plus oublier, des souvenirs inoubliables, et par conséquent le voyage aussi ça sera inoubliable, inoubliable, mémorable. Ainsi, la réponse à la cinquième question comment était ce voyage est ce voyage était mémorable, mémorable. Inoubliable. Ce voyage était mémorable. On arrive maintenant à la sixième question. Quelle est la moralité de cette histoire? Quelle est la moralité de cette histoire? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? La réponse à cette question est « Cette histoire nous rappelle l'importance des sorties en famille. » Cette histoire nous rappelle
l'importance des sorties en famille. Cette histoire nous rappelle l'importance des sorties en famille. La phrase justificative du texte est « Ce voyage crée des souvenirs inoubliables qui renforcent les liens familiaux. » Qui renforce les liens familiaux. Les liens familiaux. Ainsi, la réponse à la sixième question « Quelle est la moralité de cette histoire ?» est « Cette histoire nous rappelle l'importance des sorties en famille. Les sorties en famille pour réaliser les liens familiaux. Les liens familiaux. » Résumons ensemble maintenant les réponses aux six questions de compréhension. Première question, qui part en voyage? La réponse, c'est la famille qui part en voyage. Deuxième question, à quel moment de l'année ça s'est produit? La réponse, ça s'est produit pendant les vacances d'été. Troisième question, comment étaient les aventures vécues? La réponse, les aventures vécues étaient passionnante. Quatrième question, quel est le meilleur avantage de ce voyage? La réponse, le meilleur avantage de ce voyage est le temps passé ensemble. Cinquième question, comment était ce voyage? La réponse, ce voyage était mémorable. Sixième question, quelle est la moralité de cette histoire? La réponse, cette histoire nous rappelle l'importance des sorties en famille. L'importance des sorties en famille. Avec ce petit résumé, on vient de finir les exercices de compréhension de ce texte. Je vous dis maintenant au revoir et à très bientôt avec un nouveau texte de lecture compréhension. Bonne journée !